Ce lundi 20 février, Églantine Émeillé annonçait la disparition de son fils, son voleur de brosse à dents. Atteint d'un polyhandicap et d'un autisme sévère, Samy est décédé à seulement 17 ans. Un moment tragique pour la présentatrice qui explique que seul son fils pouvait la rendre heureuse. Si sa maladie a eu raison de son couple, Églantine Émeillé doit désormais composer sa vie sans son fils depuis près d'un mois maintenant. Encore en deuil, elle n'hésite pas à faire part de ses émotions sur ses réseaux sociaux, mais ce vendredi 17 mars, Églantine Émeillé a donné des nouvelles rassurantes. Un mois après la disparition de son fils, Églantine Émeillé est de retour au travail. Une reprise d'activité qui semble lui faire du bien et l'aider dans son chemin vers une reconstruction. Tournage meurtre abayeux. Changement total pour moi, une nouvelle expérience, de nouvelles rencontres, écrit la présentatrice dans un carrousel de photos sur Instagram. Entre les photos de paysages et de tapisseries, on aperçoit Églantine Émeillé ridée au niveau des yeux et cheveux grisonnants, mais pas de panique, il s'agit d'une transformation physique pour son rôle comme elle l'explique, « On me vieillit pour mon personnage, et je découvre Bayeux et sa tapisserie que je n'avais jamais vue. » Une reprise d'activité nécessaire et des changements qui changent les idées. Soutenue par sa communauté, un changement d'air qui intervient près d'un mois après le décès de son fils, une étape encore trop douloureuse pour Églantine Émeillé qui semble être très soutenue par ses abonnés. Bonjour Églantine, une belle reprise à toi dans ce nouveau challenge. Belle nouvelle expérience à toi ou bonne reprise Églantine. Vous êtes très forte, peut-on lire en commentaire de sa publication. Cela ne fait plus aucun doute que son public a déjà hâte de la voir dans ce nouvel épisode de Meurtre. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Christophe Aubert via Best Image. Keep taking.